Nous sommes sur la future rocade qui a coupé les pleines villes à Ploufragan en deux. Pour l'instant, elle n'est pas encore ouverte à la circulation des voitures. Que c'est beau le progrès! Et l'avenir n'est pas gai pour le reste. 120 hectares qui va être détruit. Plus de 40 espèces d'oiseaux ici. Et des oiseaux sur la liste rouge. La faune sauvage, insectes, plantes. Il y a deux ponts. Et sur la route, une vipère péliade, une espèce protégée. J'imagine s'il avait des voitures. La vipère péliade est une espèce de serpent venimeux, parfois vénéré, mais surtout diabolisé et pourchassé. La vipère péliade est une espèce de serpent venimeux, parfois vénéré et surtout diabolisé et pourchassé. Victime de croyances anciennes, œuvre du diable, comme l'araignée ou la chauve-souris, l'espèce est en tout cas méconnue et mérite quelques éclaircissements. Mesurant moins de 80 cm, entre 45 et 60 cm, elle est reconnaissable par ses pupilles verticales avec des iris rouges et des dessins en forme de zigzag sur le dos. Sa reproduction est vivipare, c'est-à-dire que les petits, environ une dizaine, se développent dans le ventre de la femelle. Si les jeunes mangent des lézards ou des amphibiens, les adultes peuvent engloutir des musaraignes, campagnols, petits oiseaux, orvets, crapauds ou grenouilles. Ce reptile, comme ses congénères, fait partie des espèces menacées. La vipère péliade est protégée en France depuis 2007. L'espèce classée sur la liste rouge au niveau national est donc vulnérable dans la région.
Sa mauvaise image lui colle toujours à la peau. Pourtant, la vipère Péliade fait face à de nombreux prédateurs, y compris l'homme. Sa survie est donc de plus en plus menacée. Bien sûr, nous la laissons repartir. Il faudrait presque interdire d'ouvrir cette route, comme à Lamballe, où une route a été fermée pour pas écraser les amphibiens. Et pour finir, voici le plan de cette destruction.